qui sort dans la neige pour faire une petite surprise à sa sœur. C'est l'histoire d'une petite fille qui va créer un lapin dans son jardin avec la neige qui est tombée. Et elle ramène ce lapin comme cadeau à sa sœur. Elle se rend compte que le lapin fond à l'intérieur de la maison et qu'il va falloir, toutes les deux, elles vont devoir aller dehors pour lui rendre sa liberté. Pour faire le lapin de neige, j'ai tout fait en papier découpé. J'ai utilisé un papier qui est relativement fin. J'ai dessiné au crayon de couleur. Et puis j'ai découpé et après en fait je crée des plans comme un petit théâtre avec premier plan, deuxième plan, troisième plan. Et après je joue avec les lumières et la profondeur de champ pour créer des petites ambiances un peu feutrées comme ça. Et après je reviens sur Photoshop pour mettre la couleur sur les oreilles du lapin, rehausser les blancs et puis tous les petits flocons de neige. Quand j'ai écrit mes premières histoires, en fait j'étais persuadée de ne pas être auteur et de ne pas avoir les mots pour raconter des histoires. Et je me suis dit, bah tant pis, c'est pas grave, ça va pas empêcher d'écrire des histoires. Je vais écrire des histoires juste avec des images. Et donc le lapin de neige fait partie de ces histoires que j'ai eu envie de raconter sans mots. Voilà.